Good morning, Aleidan, les Yisroel. Aujourd'hui, le Nishmat Mori le Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perek He, Mishnah Bet. Kol Menachot Niloshot Baposhrin, O Meshamran Shelo Yachamitsu. Veim Yachamitsu Sheyareya, Over Belot Ase, Sheneyamar, Kol Hamincha Asher Tekibul Hashem. Lo te'ase chametz v'chayavin al lishata v'al arichata v'al afiata. On continue à parler de manière générale sur toutes les menachot. On a évoqué dans la Mishnah précédente que toutes les menachot, on devait veiller à ce qu'elles soient matza, elles doivent être en matza, en pain qui ne lève pas, qui ne fermente pas, et à deux exceptions près. Maintenant, la Mishnah commence à nous donner plus de précisions. Kol haminachot niloshot baposhrin. La mincha, pour on importe donc la farine, la semoule. Lorsqu'on veut faire une minchat machvat, minchat maafé, il faut en faire des petits pains, d'accord? Et on va donc pétrir cette pâte, on va mélanger de l'eau. Mais il y a un problème, si on met de l'eau dans la semoule, alors ça va fermenter. Alors la Mishnah m'enseigne, toutes les minachot niloshot baposhrin. Il faut les pétrir avec de l'eau froide, pocherine, tiède, concrètement. Même s'il y a un risque de les rendre, de les fermenter ainsi, la Mishnah me précise, Meshamran shelo yachamitsu. Il va veiller à ce qu'elle ne soit pas chametz. Veillez mechemitsu maintenant. La Mishnah nous continue, faites attention aux mots, on va expliquer tout de suite. Veillez mechemitsu sheyarea. Et si les restes de la mincha sont devenus chametz, over belot ase, il transgressera un. L'interdit de la Torah, un lave, chez Nehemar, kol amincha asher takibul Hashem, lo te'ase chametz. Comme nous dit le verset, toute mincha que vous offrirez à Hashem, elle ne sera pas faite en chametz. Et on explique très rapidement tout d'abord deux étapes dans la mincha. Tout d'abord, on apporte la semoule, on la mélange à de l'eau et on va la pétrir. On fait la licha, donc c'est ce que le mot de niloshot. Après, on va prélever le kometz. Et on va le mettre dans un échantillon, on va le faire monter sur le misbar pour le brûler. Ça, c'est le kometz, c'est le petit échantillon. Et d'un autre côté, il va rester tout le reste de la pâte que ensuite les kohanim vont consommer. D'accord? Maintenant, il y a le kometz et les shiraim et les restes. La Mishnah m'enseigne, sache que tu dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de chametz, ni dans le kometz et ni dans les restes. C'est-à-dire, même lorsque tu vas déjà prendre le kometz, en théorie, ça peut être consommé par les kohanim, eh ben, il faut veiller malgré tout à ce que tu ne les rendes pas chametz, ce reste. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Seulement, faites attention au verset. Regardez. « Kol mincha asher tekrivu l'Hashem lo te'ase chametz. » Comme nous dit le verset, « Toute mincha que vous offrirez à Hashem, elle ne sera pas faite chametz. » Il y a un problème. La Mishnah semble rapporter ce pasouk par rapport au reste. Et le pasouk qu'on rapporte concrètement, il parle du kometz, enfin de la mincha avant de prélever le kometz. Toute mincha que vous allez apporter, la mincha, on la porte devant Hachem, on prélève le kometz, donc maintenant on la porte devant Hachem. Après, il y a les restes. Le pasouk me dit, toute mincha que vous offrirez à Hachem, donc qu'on est encore en train d'offrir à Hachem, elle ne sera pas chametz. Mais le pasouk ne m'a pas enseigné un interdit à consommer chametz, les restes. Sur ça, le Barthénois nous rapporte la Gemara qui nous dit que c'est déduit d'un autre pasouk. L'eau t'est affaire, Chametz, Chalka, regarde dans le long premier Barthénois. Veshiraa, Yalfinan, il nous précise que le verset qui est rapporté ici, ça se rapporte sur le début de la Mishnah, lorsque tu vas faire la Mincha, autour a priori. Et sur ça, on a rapporté le pasouk de Kol Mincha, Shartekou Hashem. Tandis que sur la deuxième phrase de la Mishnah qui m'enseigne que même les restes de la Mincha, qu'il ne faut les restes, c'est-à-dire une fois qu'on a prélevé ce qui va être consommé par le Kohanim, même lui ne doit pas être Hametz, c'est-à-dire notre pasouk du Lotafé Hametz Chelkam. Chelkam Natatim Labim, c'est on a changé la ponctuation du verset pour déduire Lotafé Hametz Chelkam, même la part qui revient en Kohanim, tu ne la feras pas cuire Hametz. D'accord? Le Barthénois, il nous rapporte encore quelque chose d'important, à savoir que interdit aussi, qui Cholsan de Cholébach Lotaktirum Ibnu Lachem. On le dit quand on dit l'actorette, on ne fait pas brûler sur le misbéar de kol seor, tout le vin, les chol de vache et tout miel, on ne le fera pas monter à Hachem.
il y a une, c'est-à-dire le comets que j'ai pris, ça implique le comets là-bas. En l'occurrence, on rapporte ce verset dans l'actorette, parce qu'on parle aussi de l'actorette qu'on mettra pas du dvash, du miel dans le dans l'actorette, mais il en va de même aussi pour le comets. Le comets, on ne peut pas le mélanger avec du miel. Le Barthénoir nous précise, sache que malgré tout, une fois que tu as prélevé déjà le comets pour le faire brûler, le reste de la mincha, les kohanim sont en droit de le consommer de la manière qu'ils veulent ensuite. Ils peuvent le manger avec toutes les sauces, avec du Nutella, et ou avec du miel, aucun problème. Ils font ce qu'ils veulent, juste un seul interdit, c'est de le rendre à Metz. D'accord ? On a fini de conclure le Barthénoir, qui était le premier Barthénoir. Et la Mishnah maintenant va m'apporter plus de précision sur l'interdit Bechayavin al-lishata, val-arichata, val-afiata. Trois étapes lorsqu'on prépare du pain. On est chayav sur le fait qu'on apporte une mincha chametz, à la fois al-lishata, sur le fait de pétrir la mincha, val-arichata, sur le fait de former le pain, et sur le fait de le faire cuire. C'est-à-dire, chaque étape, il y en a même une quatrième qui rapporte le Barthénoir, c'est le fait de mouiller la pâte pour la planir. Je ne sais pas exactement comment il faisait, mais concrètement, la Mishnah vient m'enseigner, sache qu'à chaque étape de la fabrication du pain, d'accord, de mincha, quoi, enfin, des restes de la mincha, à chaque étape, tu vas transgresser l'interdit de nouveau de faire cuire du chametz ou de faire une mincha chametz. Depuis le moment où tu vas pétrir, on transgresse un premier interdit. Après, tu vas commencer à former le pain, on transgresse un nouvel interdit de nouveau. Et après, il y a ce qu'on appelle d'être mekatef, c'est qu'on a plani la pâte. J'imagine que c'est pour en faire comme des pitotes. On va, une fois qu'on a formé la pâte, on va la planir, on va la mouiller, la face supérieure, je ne sais pas exactement. On transgresse encore un troisième interdit. Et puis après, lorsqu'on va la mettre au four, on va transgresser encore un quatrième interdit. À chaque fois, on transgresse l'interdit de lo teafé chametz chelkam, ce qui est déduit de tu ne la feras pas cuire en chametz. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la slachakolto.